Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir trois conseils pour réussir votre mémoire de master de MOS. MOS, donc Management des Organisations Sociales et Sanitaires. Alors, premier conseil que je peux vous donner, c'est dès le début, au moment du choix du sujet, qui est l'étape, on va dire, l'essentiel dans le cadre de ce mémoire, c'est de partir sur un sujet où vous avez non seulement une légitimité par rapport à ce que vous avez vécu sur le terrain dans le cadre de vos stages ou de vos expériences professionnelles, mais de partir sur un sujet où vous allez pouvoir apporter de la valeur à la profession, donc de la valeur à vos confrères. L'objectif de ce mémoire, c'est pour le jury de voir que vous êtes en mesure de prendre des responsabilités dans ce type de structure. Donc on va éviter les sujets qui ne sont pas en lien avec la formation ni avec une organisation sanitaire et sociale. On va éviter les sujets qui vont se contenter de paraphraser l'existant ou de ne pas viser in fine d'apporter de la valeur à la profession à travers de vraies recommandations managériales relatives à la structure en question. Donc on va vraiment viser à apporter substantiellement, je dis bien substantiellement, de la valeur à la profession. Substantiellement, ça veut dire que ça va se matérialiser sur la partie que vous allez aborder. C'est-à-dire que cette partie va devoir représenter une part prépondérante au sein du mémoire. Si elle est trop légère, si vous apportez peu de valeur, si ce n'est pas justifié à travers une partie empirique qui va passer par exemple par des entretiens, vous n'allez pas suivre ce cheminement académique qui est requis et vous allez vider de sa substance le mémoire et vider de son intérêt en quelque sorte. Donc c'est vraiment fondamental de se focaliser sur cette partie. Donc c'est vraiment le conseil essentiel que je peux vous donner, enfin le premier conseil le plus important que je peux vous donner pour ce type de mémoire. Alors deuxième conseil, forcément pour la partie empirique, vous partirez la plupart du temps sur des entretiens pour avoir vraiment une démarche ouverte, exploratoire. Partirait sur des entretiens donc non directifs pour laisser un maximum de marge aux répondants pour apporter effectivement des idées, des informations qui peuvent être essentielles aux gérants de ce type de structure. Donc ça, c'est un élément clé en termes de méthodologie de la partie empirique et qui est directement lié donc aux préconisations managériales que vous allez faire. Troisième conseil fondamental que je peux vous donner par rapport à cela, c'est de suivre cette règle qui est en quelque sorte universelle, qui consiste à faire valider le mémoire par votre directeur de mémoire. Et valider déjà le plan détaillé et la problématique, pour vous assurer que l'orientation que vous allez choisir sera la bonne. Parce que si le plan et la problématique ont été validés en amont, on va minimiser les risques de réécriture ou de correction par la suite. Donc on va se faciliter la vie et on va travailler de manière vraiment optimale. Donc si vous choisissez le bon axe et que c'est validé par votre tuteur, a priori, il ne va pas revenir dessus, sauf s'il se contredit lui-même, ce qui est quand même relativement rare. Et surtout, vous allez vous assurer, lorsque vous allez lui soumettre la totalité du mémoire, que le mémoire est recevable et validable avant d'être déposé. Là encore, si vous avez son aval avant de déposer le mémoire, vous sécurisez en quelque sorte la validation de votre mémoire. Donc vous mettez toutes les chances de votre côté et c'est vraiment une clé au niveau stratégique, c'est de se mettre d'accord en amont du dépôt. Et là encore, il est très peu probable que votre mémoire soit validée par le tuteur et qu'il ne soit pas validé dans le cadre de l'évaluation par la suite. Donc si le tuteur valide, vous déposez, vous êtes serein. S'il y a des ajustements à faire, vous procédez aux ajustements et vous déposez quand c'est validé. Donc c'est ce conseil que je peux vous donner, de vous mettre d'accord avec votre tuteur, c'est un facteur clé de succès essentiel pour la réussite de ce type de mémoire. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous apporter un maximum de valeur pour réussir votre mémoire et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.